Mercredi 17 mars 2021, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition nouvelle ça. Rapidement, mais quelques points à bien pour me développer pour échec opération Village des Dieux, inspecteur général de la police là, Karl-Henri Boucher placé en isolement. L'armée d'Haïti avec la police capable de travailler ensemble pour combattre l'insécurité dans le pays d'Haïti d'après un nouveau arrêté Jovenel Moïse Brand. Pouvoir en place la gain connexion directe avec groupe gang yo, c'est déclaration responsable PAPDA Camille Chalmers. L'autre bord de l'eau, pour pipiti 138 moun mouri dans le pays Birmanie, dans la violence qui gain entre civil et militaire, après coup d'état qui fait dans le pays ça, 1er février passé, parmi yo gain femme acti moun. C'est tout ça nous te gain comme titre, n'a pas vite rete branché pour développement journal là. Merci parce que vous toujours branché ou sous Bell TV ou suivre Info 9. Je t'ai annoncé l'antitio, inspecteur général de la police là, Karl-Henri Boucher, placé en isolement après audition li dans inspection générale PNH là. Yo suspect li comme yon nan moun qui t'a responsable échec opération qui t'est faite dans village de Dieu vendredi 12 mars 2021. Sous l'ordre autorité qui compétent, inspection générale prend zam Karl-Henri Boucher. Yon lot bon nan yon interview li bay de Nouvelis pendant li nan isolement, inspecteur a dit li pas responsable échec opération sa. Karl-Henri Boucher fait remarquer policier sa yo qui t'a participé nan opération sa nan village de Dieu pas joine aucun lot nan men li. Dans une note qui peut être date 15 mars, l'Office Protection Citoyen et Citoyenne, OPC, dit assassinat policier pendant l'opération dans le village de Dieu a choqué et puis scandalisé. Pour l'institution, l'événement 12 mars, c'est résultat aggravation situation sécurité pays a avec groupe gang qui a augmenté dans la zone. Sa, même gens à l'autre côté dans le pays. A. Yon situation qui gen plusieurs années d'après OPC. OPC dit li gen kouke sauté tout sous base 5 secondes qui capable d'utiliser matériel yon saisi pour la police. Pendant opération ça côté parmi matériel sa yo gen gros am, yon lot bon. Office protection citoyen ak citoyen mande police nationale la pou leve kampe et puis continuer combat contre insécurité ya et puis présenter sympathie bay fami victime yo et puis PNH la. L'armée d'Haïti et la police capable de travailler ensemble d'après un nouveau arrêté Jovenel Moïse Metidéo. Ce 15 mars là, locataire palais national là fait annonce ça, synergie ça entre des forces l'ordre ça yo visé combattre phénomène insécurité à en dedans pays là. C'est dans conseil ministériel qui était fait lundi 15 mars là, arrêté ça adopté. Sous compte Twitter li, Jovenel Moïse fait connaître pendant conseil ministériel gain état urgence sécurité qui déclaré dans niveau toute zone conseil supérieur police nationale là CSPN identifié parmi yo village des Dieux. Monsieur Moïse continue pour dire yo prêt pour rétablir la paix dans pays a. N'a rappelé Jovenel Moïse sollicité tout aide organisation l'état américain yo dans quatre batailles contre insécurité ak zak bandi yo en dedans pays a. Responsable PAPDA Camille Chalmers déclaré demande Jovenel Moïse bon côté OEA pour mander l'aide pour freiner insécurité dans le pays a traduit dépendance nous face à système impérialiste là. Monsieur Chalmers souligne c'est pas une décision qui étonne parce que OEA toujours soutenu Jovenel Moïse dans tête pays a dans ce sens ça il rete quoi ces peuple haïtien qui doit lever campé pour prendre droit grand monde face à communauté internationale là. Camille Chalmers dans micro David Mercius. C'est pas étonnant puisque Jovenel Moïse évidemment gagne des alliés au niveau de l'impérialisme et Almagro en particulier, secrétaire général OEA, soutenait la dictature Jovenel Moïse, soutenait tout indécent Jovenel Moïse, soutenait toute violation et tout crime que Jovenel Moïse a fait dans le pays. Hein. Donc ça n'a pas étonné nous. Mais de façon, il traduit tout une orientation au niveau du gouvernement qui sait remettre tout ensemble d'espaces stratégiques de décision à des acteurs externes. Donc, il montre nous clairement que nous avons des relations de dépendance et des relations côté que essentielles questions, que ce soit du point de vue économique, que ce soit du point de vue politique, c'est toujours remettre à l'impérialisme. C'est l'impérialisme qui a une solution, c'est lui-même qui a pensé pour le gouvernement ça et c'est lui-même qui a orienté. Donc, il dévoile un rapport tout à fait et significatif, côté que justement, si le peuple haïtien prend là aujourd'hui, c'est pour sortir de l'indépendance, c'est pour sortir de tout ça, pour être capable de récupérer la souveraineté nous,
et que c'est le peuple haïtien qui peut définir Chimène, c'est le peuple haïtien qui peut résoudre le problème. Donc, en plus de ça, et je pense tout que Jovenel Moïse oublié que si nous avons une flambée de sécurité, ça aujourd'hui, hein, et si nous avons un problème gagné, il est lié à l'occupation militaire que nous subissons, hein, en particulier pendant 14 ans avec MINUSTA, côté que le problème de sécurité est aggravé, il est multiplié par 100. Et je dis, hein, malgré le fait que la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies te prend en juin 2004, t'es dit que le ministère a un objectif, c'était d'assurer la sécurité des citoyens. Je dis, il est clair, résultat là, il est clair, pas de doute sur ça, que il est aggravé la question de la sécurité. Hein. Là, le résultat n'est pas aggravé. Nous voyons le résultat que le ministère a bail, nous voyons le résultat de toute intervention militaire qui est faite dans le pays d'Haïti bail pendant les dernières années. C'est craser encore plus l'institution pays, hein. C'est démantibuler la capacité que l'État a gagné pour répondre à ensemble de questions. Et c'est assurer une dépendance totale par rapport à projet impérialiste. Yon l'autre bord, professeur Charles Metz déclaré pouvoir en place là, une connexion directe à groupe gang yo. Premier bagage pour combattre l'insécurité, c'est cacher chaîne connexion ça. Monsieur Charles Metz plaide tout dans faveur yon politique intégration sociale et sécurité sociale tout en Haïti. Nous connaissons très clairement, je dis, pour que pas personne capable de nier connexion directe qui gagne un pouvoir avec gang. Son connexion qui est vérifiée par plusieurs événements. Dernier événement, que ce soit enlèvement dominicain, que ce soit des déclarations multiples qui ont faites ni par chef de gang, ni par certains membres du gouvernement, montrent clairement que gagnent une connexion directe avec gang. Okay, donc, connexion, ça, c'est le premier bail pour casser. Parce que gang, yo là, parce que yo financé, parce que yo gagne des armes, parce que yo gagne des munitions en quantité, et yo joué dans impunité totale. Nous voyons le gang a défilé, par exemple, le Genève a défilé dans la rue, nous voyons que la police bat aux protections. Donc, première question, c'est que justement là, nous en sécurité d'État, nous en banditisme d'État, et c'est le premier bail qui est pour casser, pour être capable de commencer à libérer le pays. Ça. Deuxième bail, évidemment, c'est que faut que nous gagnions tout un ensemble de politiques sociales, tout un ensemble de politiques urbaines, parce que je dis, nous gagnons tout un ensemble de politiques qui a crasé l'agriculture et qui provoquait des flux migratoires massifs de sections communales vers les grandes villes et villes yo pas du tout gain capacité pour yo accueillir moun k'ap vini yo pas gain emploi pour yo. OK, on gagne des centaines de milliers de demandeurs d'emploi chaque année en plus et pas gain emploi pour yo parce que justement nous avons une économie totalement dépendante et une économie que veulent transformer dans simplement une économie de sous-traitance qui pour satisfaire les besoins du marché international. Donc premièrement casser complicité criminelle qui gagne entre l'État avec gang yo. Et deuxièmement, élaborer des politiques sociales qui permettent que justement nous reconcevoir le territoire là, nous reconcevoir le déploiement de la population sur le territoire là, et nous développer tout un ensemble de politiques d'intégration sociale et des politiques de sécurité sociale. Union nationale normalien haïtien célébré 30e année existence mardi 16 mars là. Dans l'occasion, il a organisé une conférence débat avec un coup d'œil culturel qui déroulait en baptême une autre 30 ans de lutte pour l'amélioration des conditions des enseignants. Coordonnateur général UNOA, Josué Méridien, fait qu'on n'est pas satisfait du tout par rapport à l'objectif qui a été baissé pendant 30 années de combat. Ça. On écoute Josué Méridien dans le micro, Alex Gauthier. Nous ne sommes pas satisfaits du tout parce que l'éducation nous voulait. La situation nous voulait pour enseigner, nous ne sommes pas dans le Canada. Parce que nous en face des raquettes politiques, des gens qui ne sont pas rien pour eux, c'est proche de nous, etc. Donc nous avons besoin des hommes, des femmes politiques, de caractère, de qui est responsabilité, qui est valeur éducation, qui est éducation, valeur gagner, et bien enseignant, valeur qui gagne. Et nous rappeler, j'ai avec elle, demander médecin, ingénieur qui a fait grève, moi, je peux payer au même combat qu'enseignant, il dit comme si nous voulons pour nous payer le même combat qu'enseignant qui fait nos médecins, qui fait nos ingénieurs, qui fait ça en là. Donc c'est qu'en Allemagne, enseignant, tu es plus cher que toute l'autre société professionnelle, je connais que c'est la base de la société. Donc nous besoin, nous bataillons pour que nous gagnions. Dans une équipe gouvernementale qui a éducation place qu'elle gagne, qui a 13% de budget pour l'éducation et qui a encadré enseignants et encadré élèves étudiants pour que nous puissions préparer des cadres qui peuvent être payés à ce niveau-là. Comment est-ce que débat? C'est UNO, 30 ans de lutte pour l'amélioration de la condition enseignante et pour l'éducation publique de qualité. Nous avons sous thème, c'est garder. Comment lutte sédicat est sous Duvalier après Duvalier, qui s'agit comme problème? Côté sous Duvalier, il y a des syndicalistes, ils battent, ils arrêtent, ils exilent parce que tu as revendiqué. Je veux dire, nous avons une dictature qui est établie. Si maintenant on va comprendre ça, je voulais qu'arriver au côté, il dit pas la fin syndicat, pas la fin journaliste, qui a une nouvelle correctement.
Donc nous sur route ça, nous réfléchir sur dictature qui est là, comment pour que nous engager nous pour casser, pour que nous pas tomber nos pays côté monde pas parler, monde pas critiquer. Yon l'autre bord, professeur Josué Mérilien Kwè, c'est dans bêtise président a passé population hein. L'a demandé OEA pour bailler aide dans affaire sécurité pays a. Syndicaliste l'a expliqué tout pour résoudre phénomène insécurité a, faut que d'abord retirer régime qui en place là sous pouvoir. Jovenel, c'est son gouvernement gang qui est sous gang. Si la gang, Jovenel connaît, il pas là. Donc, à part la Russie, Mandel, la Russie, il va demander la Russie, il va se offrir. Donc, que l'entre dans la Russie, parce que là, c'est l'icofou. Et moi, c'est la Russie avec OEA, moi, c'est la Russie qui est plus et intéressant pour ça, il va entrer dans la Russie. Parce que qu'importe pays qui est venu entrer là pour créer la sécurité, il a arrêté Jovenel dans l'immédiat. Pourquoi vous pouvez arrêter? Pour pas que ce qui a commencé à suspendre, c'est Jovenel comme premier chef gang. Donc, c'est la bêtise de la population. Jovenel, c'est le premier chef gang. C'est le premier monde qui a allé dans la sécurité. Avec la Libye, dans Sison, qui a fédéré gang, c'est Jovenel. Donc, le premier gang, c'est Jovenel. Et nous avons kidnapping. Jovenel, c'est papa kidnapping. Et Jout, c'est papa adoptif. Nous avons Magali, c'est Marraine. Magali habite en Marraine. Fédel, mon chéri, c'est Marraine. Nous avons dit que. Donc, Papa insécurité ya, papa kidnapping, d'après amende, pour éviter de combattre kidnapping, c'est combattre tête li. Donc, nous dit que, depuis l'arrivée de Jovenel là, déjà, kidnapping a commencé à suspendre. Et puis, kidnapping. Jovenel, c'est premier agent d'insécurité publique. Donc, libre amende, pour éviter de combattre tête li. Nous, quel que soit pays, organisation qui a voulu rentrer, pour aider combattre l'insécurité, la demande d'arrêter Jovenel en premier pour capable rentrer dans la lutte contre l'insécurité. Dossier santé, depuis lundi 15 mars, là, l'hôpital Université Justinien qui au Cap lancé une grève sans limite. Grève ça visait exiger ministère santé publique là à population exécuter travail pour réparer bâtiment l'hôpital là parce que l'écrasé en pile. Grévistes ont profité mandé tout pour autorité concernée yo fournir yo matériel pour travail. Strictly qui relè Unibaz a organisé jeudi 18 mars k'ap vini la yon marche pacifique contre diktati nan capital la. Yo invité tout secteur pote kole nan marche sa et puis continuer mandé application article 134-DA. Simpson samedi nan micro Bell TV. Encore une fois, nous même au niveau Unibaz, entente tête ensemble, dipode, combite parlement populaire. Nous constater que depuis ni avant ni après 7 février. Je dis, a fait exactement un mois, 9 jours. Depuis Jovenel Moïse prend pouvoir en otage. Nous pas demandé de démissionner. D'ailleurs, mandat fini, Jean Maman Loa Pays a dit là, dans l'article 134-2. Mais nous constatons tout que, malgré mandat fini, et chaque seconde que le fait au pouvoir, c'est encore 100 petite population qui a coulé. Si M. Kazam l'amé, ou M. Dame Kazam l'amé, on nous toujours dit, et ça fait nous-mêmes, au niveau structure organisée, ça, nous ne pas jamais considérer comme bandit. Pour qui ça? C'est parce que tout est simplement. Responsabilité de l'État, c'est organiser la société. Responsabilité au gouvernement, c'est créer conditions de vie d'existence. Responsabilité de l'État, c'est créer bon gens à l'école pour petit peuple capable de reposer tête l'île carabine des familles. Malheureusement, Monsieur n'a pas fait rien pour permettre aux quartiers populaires de bonnes écoles professionnelles, de l'université, de gagner des conditions de vie d'existence pour monsieur dame ça. Parce si pouvoir Jovenel Moïse a pensé que il a réduit la société à un niveau ça, nous-mêmes au niveau Unibaz, pas accepter et ne pas tolérer, et mais nous-mêmes aujourd'hui, gens qui étaient déjà engagés dans nos batailles pays, nos batailles pour nous renverser l'ordre des choses, nous mettons d'accord pour nous organiser ensemble une manifestation, une marche. Jour jeudi 18 mars 2021, qui vient comme objectif marcher contre dictature et justice pour tout le monde qui est victime. Yo. Que ce soit faux décret arrêté, que pouvoir pas gagner à ouais avec conditions d'existence dans le pays, eh bien, nous allons marcher contre dictature, nous allons marcher pour justice pour tout le monde qui est victime dans la société. Yo. Dans le nouvel pays l'étranger, après coup d'état qui fait dans le pays Birmanie, 1er février passé,
Violence qui gagne entre civils et militaires, déjà la cause pour Pipiti 138 personnes mourir. Parmi eux, il y a des femmes et des personnes. Depuis après le coup d'État, la manifestation a poursuivi chaque jour dans le pays Birmanie. Côté protestataire a réclamé pour la démocratie retourner. ONU condamné la répression de la mort sur la population birmanienne. Euronews a donné plus de détails. Une veillée à la bougie et des chants. Ces Birmans prient pour leurs compatriotes tombés lors des affrontements avec les militaires. Ce week-end, près de 50 manifestants sont décédés. Le plus lourd bilan depuis le coup d'État du 1er février. Les contestataires sont tout de même redescendus dans les rues hier et au moins 11 d'entre eux ont été tués. Les manifestations se poursuivent tous les jours pour réclamer le retour de la démocratie. Les hommages aux défunts se multiplient et l'ONU condamne cette répression meurtrière. En Birmanie, nous avons assisté à un week-end rempli de sang. Selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, à ce jour, au moins 138 manifestants pacifiques, dont des femmes et des enfants, ont été tués dans la violence depuis le 1er février. Le secrétaire général condamne fermement cette répression contre des manifestants non violents et la violation continue des droits de l'homme les plus fondamentaux. Ce week-end, les manifestants ont attaqué deux usines chinoises. Pékin, l'un des principaux partenaires commerciaux de la Birmanie, réplique et lui demande de protéger ses intérêts dans le pays. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Dimanche soir, la junte a imposé la loi martiale dans deux quartiers de Rangoon. Depuis 6 semaines, la répression des manifestations pro-démocratie se multiplie et l'armée fait pour l'instant la sourde oreille aux condamnations internationales. C'est la journal la bout pour jodi an, mais avant nous aller, n'ap invite au suivre Bell TV sur YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Nous bon rendez-vous pour une prochaine édition.